Salut! J'espère que vous allez bien les potes, c'est Ruru. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur un nouveau deck, mec! Bon, cette fois-ci les gars, on va regarder qui? Le premier mondial. Franchement, il a un petit deck, franchement que je kiffe. Bon, je vous donne un indice. C'est un marteau et c'est marron, frérot. C'est quoi? C'est le cochon, mec. Eh ouais, gros. Du coup, les gars, avant qu'on teste le deck, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à soutenir avec le code créateur Ruruglou. Tu connais, petit code créateur. Les gars, un code créateur mi égale une villa pour la maman. Si ça, c'est pas beau, les refs. Ok, pause, les gars. Là, faut que je vous montre un truc de spi. J'étais en train de faire la vidéo, tranquille, machin, tu connais, pépouze. Vlatipak, les gars, je commence à faire 4 défaites d'affilée avec le deck. Je me dis, c'est quoi ce délire? J'ai fait une victoire, 4 défaites. Je vous montre, les gars, il n'y a pas de mytho. Regardez, Golem Barbare d'élite, Hard Counter Ballon Gel, Cochon Rocket, Golem d'Elixir Spamland. J'ai juste gagné un zappy, les refs. En fait, je fais 4 défaites d'affilée, les gars. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais le deck, il pue la merde, en fait. Je vais pas. C'est mort, je vous présente pas ça, tu vois. Ça pue la merde, gros. C'est nul. Et là, les gars, je vais sur CRAPI. Et vous voulez savoir ce que je vois, les refs? Oh, ben il a caché son deck! Oh, c'était beau! Donc, des fois, ouais, voilà, faut pas se faire brain. Mais au moins, vous avez vu, les gars, je me suis sacrifié. J'ai perdu plein de trophées. Mais ça, c'était pour vous. Faut pas faire confiance, des fois. Hein. Top mondial, les gars, ça cache les decks. Parce que je vous jure, j'ai testé le deck. J'étais en mode. Hey, je me coupe une yux, les gars, je me coupe une couille. Si le mec a rush avec ça, je suis allé sur CRAPI. J'ai vu flou, frère. J'ai vu flou, gros. Ok les gars, on est parti, première game. Oh, ça c'est un mec que je connais, ça. C'est un boss, lui, il est trop sympa ce mec là. Ok, on est parti, il me fait des cœurs. Putain, j'ai pas un truc avec des cœurs. Dommage. Ah si, j'ai ça. Ok, bon du coup, on va pouvoir tester enfin son vrai deck. Et je vais voir si c'est pour eux ou non. Si jamais c'est de la merde, les gars, la vidéo elle sortira pas déjà, je vous le dis. Si c'est de la merde, ça sort pas, je vous le dis. Ça reste dans le coin. Et ça bouge plus. Bon, on va partir chevalier direct. Bon, c'est vrai que ce deck là, s'il y en a qui m'ont vu et tout, c'est un deck que j'ai grave affronté. Je crois que c'est le seul deck qui est jouable avec le sorcier. Mais, bon, là je pense qu'il a cramé le deck. Hein. Il y a qu'un deck comme ça de toute façon. De toute façon, jouable avec le sorcier, les frérots. Voilà quoi. Hein. Regardez, le sorcier va se faire gérer par un baby dragon. C'est n'importe quoi. Regarde. Un baby dragon, 4 d'Elex. Voilà, boum. Voilà, un truc qui fait des dégâts de zone. Gros, ça va gérer le sorcier, frérot. Hein. Voilà, les gars, n'hésitez pas. Ok, il a pas de tornade. Nickel. On va partir en squelette géant. Bon, là, du coup, je pense que la technique, c'est quoi? Tu pars en squelette géant au fond. J'aurais peut-être dû. Ah, j'aurais peut-être pas dû le mettre au fond, je pense. Ouais, je sais pas. Ok, il part en ballon, du coup. Je vais garder ma boule de feu. Ok, je vais partir en squelette. Ok. Je vais partir en tornade. Ok, il part avec des gardes. Allez, nickel. Bon, mon genre squelette qui va se faire gérer. Hein. Oh, il s'est fait gérer de ouf, hein. Ah ouais, ok, bon, le sorcier, faut que tu gères, frérot, on compte sur toi. Ah, nickel. Il a le zap ou pas? Je sais pas s'il a le zap. Ah non, il a pas l'air d'avoir le zap. Ok. Bon, est-ce qu'on peut gagner Molos déjà avec ce deck? Histoire de me rassurer un coup, là. Ok, hop. Ah, par contre, ça fait mal, hein. Ça a tout tué. Allez, nickel. Ah, j'ai rien pour la Valkyrie. Oh, deux coups, s'il te plaît, deux coups. Oh, let's go. Ok, on revient dans la game. Comment on défend la Valkyrie avec ça, là? Comment tu défends une Valkyrie? À part si tu mets un squelette géant. Et après, ça va péter sur la tour, genre. Oh non, j'ai raté. Oh, l'erreur, gros. Le joueur français, trop nul. Nickel. Bah, super. Hein. Ah, faut que je tornade. Faut que je t'auto. Ok. Je pense que le deck, je le joue hyper mal. Mais pourquoi pas. Ok, on va partir sur un chevalier. On a le sorcier derrière, dans tous les cas. Parfait, là ce que je peux faire c'est un truc qui peut être sympa. BOUM! Et ça tu t'attends pas avec l'armée de squelettes direct ici. Bam, on envoie la daronne les refs. Allez nickel, regardez les dégâts qu'on va mettre. Hein. Attention, le genre squelette qui a pété sur la tour. Hop, et après tu tornades le tout, c'est ça? Oh, si c'est ça mec, c'est... Oh, c'est trop fort. Ok. C'est trop fort gros. Et là tu mets un petit cochon. Et là il est en total PLS. Let's go. Oh, le deck est plutôt pas mal. Ah, j'ai bien aimé le truc que j'ai fait. Il a mis Molos, il s'est fait instant punir. Je suis parti en géant squelette au middle. Oh mec, gagner à Molos avec ce deck, je trouve ça trop compliqué. Il avait le dragon de l'enfer, il avait trop de trucs.
Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est l'armée de squelettes. J'aurais dû la mettre au pont un moment pour que la bombe tape le DDE. Il y a un moment, il y avait le DDE au pont et j'avoue que j'ai pas fait ça. Mais première victoire. Là, c'est mieux déjà. Ok, les gars, on est contre Tom. Bon, je pense qu'on sait déjà ce qu'il joue. PK, hein. Voilà, merci, gros. Ça, les mecs comme ça, je les kiffe. Après, non, il y a deux bribes spam. Charrette et PK, je pense plus du PK. Ah non, ben non, c'est Cavabili, je crois. Je crois que c'est Cavabili ou Charrette. C'est un des deux, de toute façon. Attends, non, mais gros, il joue pas ça. Ah, mais c'est un mytho, en fait. Tu mets bridge spam, mais tu joues pas bridge spam. Ok, ça monte. Monte doucement. Ok, on va partir sur une boule de feu. Bon, déjà, le sorcier, hein. Moi, je trouve que la garde est éclatée. Est-ce qu'il met une voleuse? Ouais, j'en fais du pré-shot, ouais. Du coup. Ouh, ça, c'était pas mal, ce que j'ai fait, là. On a sauvé le mage. Est-ce qu'il part en PK? Mais en vrai, le sorcier, il fait mal, hein. Mais je le trouve tellement... Mais tellement éclaté l'erreur. Ok, on va partir sur une armée de squelettes. Pour l'instant, ça passe. Petite armée de Giget, je connais. Golem de glace. Ok, golem de glace qui est posé. On va partir en coco. Est-ce qu'il a le PK dedans? Il n'y a pas de PK? Ok. Il n'y a pas de PK. On va poser le sorcier ici. Et parfait. On va poser le chevalier, je suis obligé de redéfendre, ça c'est triste. Ça c'est hyper triste. Faut que je tornade ou pas là? Ouais, il va mettre la vovo. Bon, au pire, on va falloir mettre l'armée de squelettes derrière. Ok, même pas besoin de c'est quoi, boule de feu, ça suffit. Ok, nice. Je sais pas s'il a une boule de neige par contre. Oh, s'il a une boule de neige, je vais mettre... Je suis trop malin. Ou alors boule de feu. Quoi que si la boule de feu encore, ça passe. Parce qu'on a la bûche et tout. Là, l'archer par contre, il peut faire mal. Si on met géant squelette ici, vous connaissez, archer magique au pont, je prends moins 1000 de dégâts. J'avoue les gars, c'est pas dans mes plans. Ok, go squelette géant mon ref. Let's go, anti-max. Ok, ça passe. Je crois qu'il a une fireball. Hein. Si je dis pas de la demeure, il a une fire. Ok. Ok, on va partir en cochon. Allez, nickel, on part en chevalier. La bombe du genre squelette qui devrait taper. Ok, on part en armée de squelette. Ouh, c'est risqué ça, frérot. Ok, on va partir en squelette géant. Allez, nickel, pour l'instant ça passe. Ok, on va partir en cochon. Et parfait. On devrait mettre pas mal de coups. Ok, la bombe qui va servir. Oh, la bombe. Oh, trop fort. Ok, on va poser une tornade. Ok, le sorcier qui fait le taf. Ouh, ça, c'était un peu forcé, ça. Ok. Je pense qu'il va partir sur un golem de glace. Est-ce qu'il part sur ça? Oh, parfait. Et nickel, on a un géant squelette derrière. Ok, nice. Normalement, ça devrait tout prendre. On va mettre une bûche, histoire de tuer le géant... Oh, mais c'est trop fort, gros. Regardez, ça... Oh, ça prend les deux. Ça prend les deux, gros. Ok, gros sorcier. Oh, c'est tellement fort. Ok. Bon, pas mal. Bien vu le petit spam, là. Tu crois que je l'ai pas vu ou quoi? Ok. On va poser une armée de squelettes ici. Il a le cavabilier, donc ça sert à rien. Là, il a déjà recyclé. On part ranger un squelette au fond. Ok. On va peut-être poser une boule de feu. Ouais, nice. Ok, on va poser le sorcier. Avec le chouchou. Ouais, nickel. C'était sûr qu'il allait mettre la boule de feu, donc c'est pas grave, tant mieux pour moi. Ok, on part sur une bûche. On part sur une armée de squelettes. Nickel, ça gère, hein. Ok, il a plus rien pour gérer... Pour gérer ça. Ok, on met un coup. On va poser le géant squelette. Est-ce qu'il part? Ok, nickel, on a la boule de feu. On va la poser. Eh, nickel, ça. Ok, go la bûche. Putain, le deck est pas mal, j'aime bien. Hein. Ouh, ça force. Ok, go sorcier. Et petite tornade. Nickel, un coup, deux coups, trois coups. On a le sorcier derrière. Et ça finit. Oh, mais gros, mais son deck, il est trop bien, mec. Avec sorcier, gros. Mais what the fuck.
Bon, les gars, on est parti du coup pour la troisième game. Oh, j'ai fait Sinjul. On est parti pour la troisième game. Bon, en vrai, je voulais faire 4 games, mais je pense que je vais en faire 3. Parce que là, déjà, les gars, l'autre game avec le cochon, là, ça m'a gonflé. Mais parce que d'une puissance, les gars, laisse tomber. Oh non, tour à bombe. Tour à bombe, là, déjà. Ok. Round of Vats. Ok, on part sur une chebu. Crazy Killer, les bambous. Ok, on va partir sur une toto. Oh, faut pas que je la rate, hein. Des fois, je la rate. Des fois, je fais la merde avec. Oh là là, elle était bien timée. Ok, ça passe, ça passe. Petit toto, on active la Taurus. Tu vois ce que je vais te dire. J'ai posé le sorcier ici. Oh, les gars, sorcier au pont. Oh, let's go, la moumou qui pète. Ok. On va poser le coco. Hein. Je vais pas défendre à droite. Il repose tour à bombe. Nickel. Bon, je pense qu'en vrai, le match-up, je pense qu'il est pour lui. Parce que le problème, c'est que la tour à bombe qui va être mais tellement gênante. Quoique. Il y a peut-être moyen de gagner. J'ai peut-être une idée dans la tête. Ok, c'est préchat, c'est un bon. C'est un bon. Ok, petite tornade, je prends un coup. Ah ouais, il faut que je tourne la tour du roi, je suis bête. Ok, il faut que je tourne la tour du roi. Mais là, du coup, il a plus de tour à bombe. Là, s'il pose le chevalier, je pense qu'on peut partir en cochon. Vu qu'il pose le chevalier, s'il pose, il y a moyen qu'on fasse des dégâts. Ok, le pré-shot qui est bon, le pré-shot qui est bon. Ok. Petite boule de feu. Est-ce qu'on met deux coups? Ah, nickel. Ok, on part sur une armée de squelettes. Ok, on va partir sur une bûche. Ça passe! Fou! C'est chaud! Y'a moins de gagner, Ok, pour l'instant, on n'est pas dégueu. On va partir sur un géant squelette. On va partir sur un chevalier. Ok. On va partir sur une tornade. On va partir sur le BDF. Ok, mais pas de bûche. Enfin, toi, vraiment, qui me gêne de ouf. Mais nickel. Ah, il a déjà recyclé, frère. Ah ouais, mais toi aussi, t'abuses, gros. Ok. Ah ouais, il a déjà recyclé. Ah ouais, ça va être tendu, hein. Ok, go squelette géant. Il va reposer le cochon, il va essayer de me recycler un. Alors, dès que ça cycle contre ça, c'est pas la joie. Hein. Ok, go boule de feu. Ok, on va poser ça ici. Je prends un coup. Ah, dommage. Ouais, j'avoue, gros match-up de fou, là. Match-up hyper compliqué, voire impossible. Oh, il a raté. Ah ouais, il a plus de neige, en plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, dommage. Bon, ça arrive, hein. Défense, prend des petits hard counter. Ok, go tornade. Alors, je sais pas si j'ai l'outcycle, j'ai pas l'impression. Je pense pas que j'ai l'outcycle. Ouais, ça c'était sûr. Ah, c'est dommage, le sorcier qui est pas ouf, hein. Il y a des moments, des fois, elle sort. Ouh, qui a mis un coup sur la tour. Ok, ça veut me finir au sort. Ça veut me la faire. Ok, go sorcier. Je pense qu'elle a mes tours à bombe. Petite value. Ok, on part sur une boule d'œuf. Donc ça passe. Ah, dommage. Et non, franchement, bon, des fois, ouais, j'avoue, si vous prenez tour à bombe tornade, moi je pensais quand je jouais la tornade sorcier glace, j'avais hard counter, les gars. Je pouvais être le pire joueur du monde, je gagnais, hein, je vous le dis. Ok, du coup, on est parti, les gars, pour la quatrième game. La RNG soit avec moi. SVP, pas de tour à bombe de spi là. Pas de tour à bombe, s'il te plaît, j'ai pas envie de galérer, gros. Ok, on va partir en cochon. Ok, pas de tour à bombe en face, c'est cool. On dirait du géant double prince. Ou pas, en fait. Ou pas, mon ref. Ok, je vais partir en squelette géant. Petit squelette ici. Bon, il joue Mega Knight. Ok, c'est intéressant ça. Ok, faudrait que j'arrive à tornade. Je sais pas si je peux. Ok, je vais tornade ici. Hein. Normalement, on devrait être bon. Vite, la tornade, tornade. Ok, ça passe. Le cochon qui prend pas la bombe, dommage. Ah, le cochon se prend pas la bebon, trop le seum. Ok, go armé de squelette. Est-ce qu'il zap? Ok, le zap qui est posé. Par contre, il a mis ma Selex. On va partir en cochon.
Faut défendre le chevalier, frérot. Faut défendre le cheche. Il défend pas. Oh, dommage. Ok. Bon, parfait. Bon, le chevalier qui a gratté un. Hein. Heureusement que j'ai attaqué des deux côtés parce que ça va plus être chaud. Va falloir que je mette la bûche par contre. Oh, je suis obligé. Hein. Je suis clairement obligé. On va mettre la petite bûche ici. Hop. On espère que je ne vais pas prendre trop cher. Pas de coup, pas de coup. Ah, j'en prends un quand même. Ah, ça fait mal. Moins 600 là. Moins 500. Ça fait trop mal le chasseur gros sur une tour. Hein. Bon, c'est du méga chevalier. On a la tornade pour le cochon. Ok, c'est gérable. Je vous le dis, c'est gérable, les gars. C'est grave, gérable, gros. Là, si je perds, je suis la merde. Hein. Je vous le dis. Après, je sais pas comment il joue aussi, hein, mais. Mais tu vois ce que je veux te dire. Ok, petite tornade. Ok, j'ai bien timé. Bon, le problème, c'est ce qui m'embête, c'est qu'il a le zap. Ça, par contre, c'est hyper embêtant. On va partir sur un sorcier. Ok, il a le zap dans la main. On va partir sur un géant squelette, genre ici. Ok, petit squelette géant. Nickel. Est-ce qu'il va mettre quoi à gauche, là? Qu'est-ce qu'il met? Ok, il part sur un Mega Knight, hein. Il part sur un Mega Knight. Ok, petite bûche. Let's go, le pré-shot! Mais oui, monsieur! C'est comme ça qu'on joue! Allez, gros! Est-ce que vous avez vu, les gars, ce joueur talentueux que je suis? Ok, petit chevalier. On va reposer ça, j'en profite qu'il a pas le Mega Knight. Il a le prince. Ok, roquette. What? Il a une roquette, gros! Ah ouais, c'est un géchant, le ladder, là. Ok, je pars en squelette géant. Ok, ok, il va tenter le push de l'année. Il va tenter le push de l'année. On part en sorcier. Ok, petit squelette. Je suis obligé de mettre le chevalier. Ah, nickel, je suis obligé de mettre le cochon. Ok, bien joué. La moumou, elle meurt ou pas? Ah, dommage. J'avoue, la moumou qui meurt pas. Ok, on part en squelette. Ok, oh, j'ai failli la rater. Hein. Oh, j'avais failli la rater, les refs. Ok. Ok, petite armée de squelettes. Ok, on a bien joué là. La roquette qui était pas ouf. Ok, on part en boule de feu dans le vent. Ok! Parce qu'il a mis une roquette. Hop! T'as le sorcier en défense. Oh, en défense, ça fait tellement le taf. Je suis obligé de tornade là. Hein. Obligé. Fou! Compliqué, compliqué, mec! Faut que j'arrive à outsecker, il en est bon. Ok, go squelette géant. Go boule de feu. Ok, go cochon. Nickel. Ça rend, ça devrait être le GG. Plus qu'à outcycle, il y a tout qui va crever par la bombe. Et c'est le G-G's les refs. Ah, petite boule de feu. Let's go, mon gars. Let's go. Mais j'avoue, ouais, non. Pour moi, le pire, c'est tour à bombe. Quand vous prenez le tour... Alors, je pense que vous pouvez gagner... Mais faut grave gérer les géants squelettes. Vous pouvez gagner, mais faut gérer les géants squelettes. Mais ouais, j'avoue, je pense trop rarement. Mais après, le son deck est pas mal, hein. Jamais testé. C'est bien. C'est cool à jouer. Mais je pense pas que c'est le genre de deck que je travaillerai tous les jours, par contre. Ok, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé le deck. Il est plutôt fun à jouer. Je le mets dans la catégorie fun. Parce que c'est le genre de deck où ça peut être compliqué... Si tu te prends, commences à te prendre des bâtiments, des trucs comme ça, je pense, hein, j'ai jamais testé, mais je pense. Après, peut-être que c'est grave faisable, tu vois, peut-être que tu peux gagner, mais c'est là où, ça, où le deck est ce qu'il est, tu vois. Ah, bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que vous avez kiffé celle-ci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre le code créateur de la boutique, à vous abonner, Anti-Max. Je vous fais plein de gros bisous, les refs. Salut.